deux heures de pratique, on est concentré, les gars. Deux heures de foot, on est concentré. Après ça, on est en pause. Breakdown, Jason. Après ça, on est en Indy avec nos coachs. Tu fais ton jog léger, t'attrapes le ballon, tu toques, là c'est à toi de lancer. Jog léger, tac. Là c'est à toi de lancer, tac. Regarde, là Edouard, tu t'en vas en ligne vu qu'il y a quelqu'un derrière toi. C'est good, non, deux lignes, c'est assez, pas plus. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Marquier. Je suis enseignant en éducation physique à l'option football au Collège Charlemagne et entraîneur-chef football juvénile division 1 au Collège Charlemagne. En fait, le juvénile division 1, ça fait partie de la ligue scolaire. Donc, au scolaire, il y a de la tombe, du benjamin, cadet et juvénile. Juvénile, c'est la dernière ligue au niveau scolaire qu'on peut jouer au niveau du secondaire. Généralement, c'est secondaire 4-5. Donc, on retrouve des jeunes de 15, 16 et 17 ans qui peuvent jouer dans ce football-là. Donc, ça accumule deux années si c'est secondaire 4 et 5. Exagère les genoux! Exagère! Lève les genoux! Hey, Vincent, tu peux pas lever tes genoux plus que ça. OK. Alors bonjour, moi c'est Vincent Malo. Je joue depuis deux ans au Collège Charlemagne. Je joue receveur de passe, puis j'ai 16 ans. C'est un jeune justement que j'ai comme élève depuis deux ans. Je l'ai comme élève en concentration football. C'est aussi mon joueur depuis deux ans. C'est quelqu'un qui a été très utile l'an passé pour l'équipe, autant au niveau sur le terrain que hors du terrain. C'est un bon exemple pour les autres, un bon exemple à suivre parce que c'est quelqu'un qui va réussir très bien sur le terrain grâce à son éthique de travail et au fait qu'il écoute les consignes des entraîneurs. Donc c'est quelqu'un qui demande beaucoup d'exemples et ça, c'est des qualités qu'on recherche beaucoup chez les jeunes joueurs. Ça fait 10 ans que je joue au football. J'ai commencé avec les Diablos de la Prairie. J'ai joué 7 ans à leur côté. Ensuite, je suis allé faire une année aux Rebelles de Saint-Hubert. Puis maintenant, je suis rendu depuis mon secondaire 4, je suis rendu avec le Collège Charlemagne. En fait, le sport-études, c'est libre à chaque école. Donc, quand on considère le mot sport-études, ça veut dire que les élèves vont avoir moins de cours et pour pouvoir libérer des moments dans les cours pour faire leur sport. Exemple, au Collège Charlemagne, on a du sport-études basketball et hockey qui est très populaire. Donc les élèves, au lieu d'avoir quatre périodes par jour d'école, ils en ont trois et la quatrième période, ils la consacrent à leur sport. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle un sport-études. Nous, au collège, on n'a pas encore, le football n'a pas encore la renommée sport-études. Donc les élèves qui font partie du football n'ont pas la quatrième période de libéré, mais font quand même partie d'un sport d'élite et vont devoir pratiquer, eux, le soir avec... vont pratiquer le soir avec le reste de l'équipe, mais pas à l'intérieur des heures de cours. Honnêtement, non. Moi, je termine l'école, je fais mes devoirs, je relaxe un peu, puis j'embarque sur le terrain. Quand j'arrive chez nous, j'ai la tête reposée. Je peux bien dormir le soir. Bien, en fait, c'est que nous, au football, ce qui est particulier, c'est que ça commence vraiment au début de l'année scolaire. Donc, au lieu de se pratiquer pendant l'année scolaire et de jouer, nous, on doit se pratiquer l'été. Donc, on a commencé le camp d'entraînement le 11 août cette année. Et notre saison, notre premier match est le 29 août. Et demain, pendant le camp d'entraînement, on demande aux parents de venir porter les élèves à l'école pour les pratiques le soir, qui durent deux ou trois heures. Et ensuite, ils vont revenir les chercher pour les porter. Puis demain, c'est le même principe. Donc les parents vont venir porter leurs enfants pour 17 heures, puisqu'on joue à 19 heures. Puis ils vont probablement rester pour le match et repartir là, vers 22 heures quand ça va être fini. Puis pendant l'école, par contre, à partir de la semaine prochaine, là, les élèves sont déjà à l'école pour pratiquer ou pour jouer. Donc les parents ont seulement que le livre de retour à faire, le transport de retour. Écoutez, ben moi, j'ai beaucoup de temps après l'école, fait que j'en profite pour faire mes devoirs parce que je sais qu'après pratique de football, je suis trop fatigué, j'ai la tête ailleurs. Je serais pas capable de me concentrer pour faire mes études, mes devoirs.
Fait que je profite du 4 heures à peu près que j'ai après l'école pour travailler, me reposer un peu, parler avec mes amis, travailler ensemble. Si jamais j'ai de la difficulté, ben je demande à mes amis qui ont la réponse, là. C'est très, très, très difficile, le sport-études. C'est sûr qu'ici, nous, le football, on n'est pas encore considéré comme un sport-études parce qu'on n'a pas libéré les élèves. Donc, nos sports d'élite, basketball et hockey au collège, oui, eux, les élèves sont libérés. Donc, leur tâche d'école est un petit peu plus petite. Les enseignants sont conscients qu'ils sont en sport-études, les élèves. Mais pour le football, oui, il n'y a pas de sport-études. Donc, les élèves ont la même charge de travail que tous les autres élèves. Ça prend une discipline, ça prend une maturité, ça prend du focus dans les études et dans le football parce que c'est très difficile de réussir l'un sans l'autre, principalement quand on change de niveau. Pour l'instant, même pour le secondaire, le fait de pratiquer beaucoup et de jouer beaucoup, beaucoup de soirs par semaine, ça fait en sorte qu'il faut que les élèves soient sérieux dans leurs études, prennent le temps de faire leurs études et leurs devoirs. Ils doivent se faire un horaire, ce qui fait en sorte là, que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir réussir à bien réussir à l'école et au football. Oui, c'est difficile, mais je vais être honnête. Honnêtement, moi, je pense que chaque joueur peut se démarquer à sa façon. Faut toujours travailler fort, tu peux te démarquer en soyant toujours intense. Même si t'as moins de skills que les autres, là, si t'es intense, tu démarques tout le temps par ton leadership. Il y a des leaders dans l'équipe, il y en a qui sont leaders par l'exemple, il y en a qui sont leaders par la parole, il y en a qui sont leaders quand ça va mal, il y en a qui sont leaders quand ça va bien. Vincent, c'est quelqu'un qui va être leader à sa manière. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va être très vocal, mais c'est quelqu'un qui va rapatrier les troupes quand ça va mal, c'est quelqu'un qui va, malgré les difficultés, qui va toujours donner son maximum, qui va toujours travailler fort puis qui va toujours y croire en la victoire. Puis ça peut être un très bon exemple pour le terrain, surtout quand ça va mal. Moi, mon rôle, ça va être de maintenir l'équipe sur le droit chemin. Ça va être de travailler fort, de montrer l'exemple. Puis c'est comme ça qu'on devient une équipe, qu'on se serre les coudes. Puis c'est de même qu'on avance. On peut pas jouer plus qu'un match par semaine. C'est impossible, c'est trop difficile sur le corps et ça prend trop de préparation. Donc nous, dans notre ligue, on va jouer le vendredi soir. Donc on va laisser la fin de semaine de libre aux élèves. On va leur laisser un soir de semaine de libre le lundi. Et le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, on pratique pour le match du vendredi. Donc c'est 4 soirs par semaine. Le mardi soir, c'est une plus longue pratique parce qu'on fait un retour sur le match. Un retour avec des vidéos de match qu'on a fait le vendredi d'avant. On fait un retour vidéo. Ensuite, on va présenter la planification pour la semaine parce que puisqu'on affronte une équipe différente, nos stratégies vont être différentes. Ça, c'est le mardi. On embarque sur le terrain. On applique tous les nouveaux jeux qu'on a à apprendre cette semaine. Généralement, puisque c'est le plus loin de la semaine, c'est généralement la pratique où on va faire plus de contacts parce que on peut pas faire de contacts à toutes les pratiques. Et on peut pas ne pas faire de contact parce que rendu en situation de match, lors des contacts, si on ne les a pas pratiqués pendant la semaine, bien, les joueurs vont être en situation de risque de blessure. Donc le mardi, généralement, ça va être une pratique qui est plus on rentre des nouveaux jeux et contact. Mercredi, pas de contact, on répète les jeux. Jeudi, c'est la veille du match, on révise nos choses, pas de contact encore. Et vendredi, c'est le match. Faut boire de l'eau, faut bien manger. Faut bien dormir la veille, faut être en forme, faut s'étirer, c'est pas mal ça. Effectivement, on essaie de les ramener à la discipline. C'est sûr que c'est des adolescents, seront jamais autant parfaits qu'on aimerait qu'ils soient. Sauf que avec le football, c'est une belle école de vie, puis on leur apprend beaucoup la discipline. Nous, au football, les entraîneurs, c'est très hiérarchique. Entraîneur-chef, coordonnateur, entraîneur adjoint. Puis ça fait en sorte que c'est la même chose pour les joueurs ensuite. Donc oui, ils doivent être disciplinés pour faire partie de l'équipe. C'est une des valeurs qui est promue. Sauf que c'est des adolescents, donc on est capable de tirer un peu la corde pour comprendre que des fois, ils n'ont pas le goût tout le temps de que ce soit l'armée. Bang! J'ouvre! Break down! Bang! J'ouvre! Break down! Aller-retour! Pied droit, aller-retour! Pied gauche, aller-retour! Right? Let's go! On roule ça! Tu peux ouvrir entièrement ton coude et ta tête. Le coude you, la tête change de côté. Ça vous aide à aller plus vite en rotation. OK.
ce qu'on fait, on va encore une fois, parce que vous allez avoir d'assez gros bœuf devant vous, puis gros pro line en fin de semaine. On va travailler les moves à partir du pit. Fait que le pit, on se rappelle, c'est le kamehameha avec les pouces qui pointent vers le haut comme ça, et topper sur l'épaule comme ça, avec une pleine extension des bras. On va commencer avec le rip. Je veux rapidement qu'on le fasse, bang, on le fait de ce côté-là, on se recette de ce côté-là, on switch le gars, puis on le fait aussi vite, parce que je vais vous en montrer un autre après, avant qu'on siffle. C'est bon? Down! Et... hop! Prends moins de temps que ça, Aubertin. Ouais, c'est ça. De l'autre côté maintenant, good job, good job. Down! Non, moi depuis 4 ans, ben, j'ai été 4 ans au collège Charlemagne, j'ai débuté ma 5e année. Pour vrai, j'ai rien à dire. J'adore ça, les installations, surtout cette année-là. On a vraiment un bon encadrement pour le football. On a notre locker, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un locker, un beau terrain comme ça. Cette année, on peut profiter de tous les biens qui nous appartiennent, là, puis tout ce qu'on peut avoir. Là. Ben, moi, c'est ma 3e année d'entraîneur. Donc, j'ai fini l'université, j'ai fini ma carrière de football de joueur en 2011. Donc, j'entraîne en 2012, 13, là, c'est 2014. C'est la 4e année que j'enseigne et c'est la 2e année que j'enseigne au Collège Charlemagne et que je coach ici. Moi, dans ma vie, j'ai fait plusieurs sports. J'ai commencé à jouer au soccer, j'ai joué au hockey. Puis, quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai comme fait, aïe, aïe, ce sport-là est vraiment différent des autres. C'est pas. Le travail d'équipe est différent. Bien, la discipline, l'intensité, c'est pas pantoute la même game. Puis, aussitôt que j'ai commencé la première année, j'ai accroché. Puis, depuis ce temps-là, bien, je joue toujours. Il y a deux sortes de joueurs. Il y en a ceux qui font ça pour le plaisir, qui sont ici pour avoir du fun avec leurs amis, faire un sport, se défouler, faire un sport d'équipe, faire partie d'une grosse organisation. Donc, c'est généralement ces joueurs-là, après le secondaire, ils vont aller au cégep, puis ça va être ça pour le football. Puis, il y a d'autres joueurs, par contre, qui sont ici pour la compétition, qui sont ici pour gagner, qui sont ici pour vaincre, pour se dépasser, qui sont ici pour gagner des parties. Généralement, ces joueurs-là vont poursuivre le cégep et les études avec le football. Et peut-être que leur rêve, c'est de jouer à l'université et, qui sait, chez les pros aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'avec la Ligue canadienne de football, il y a quelques Québécois qui sont dans la Ligue canadienne. Donc, sans être un objectif impossible, c'est quelque chose qui est peut-être réel pour les jeunes. Des fois, ça peut servir de motivation. Par contre, je crois que la plupart des élèves, cette année, dans l'équipe, ont le goût de jouer plus tard. Donc, ils sont vraiment ici pour se dépasser, pour compétitionner, pour s'améliorer. Puis ce qui est vraiment bien du football, c'est que les meilleures équipes, les meilleures ligues vont se jouer avec les études. Donc, quand les élèves vont vouloir changer de niveau, ils vont devoir aller au cégep. Puis quand le cégep va être fini, pour jouer au meilleur football possible, c'est à l'université. Puis après l'université, là, ils vont jouer dans les pros. Donc, ça les force à avoir justement un diplôme collégial et un diplôme universitaire s'ils veulent poursuivre au football. Pour l'instant, oui, je fais ça parce que je veux me rendre loin. Mais honnêtement, j'entends les statistiques et tout, puis les chances de se rendre dans la NFL sont là, mais sont très, très faibles. Fait que là, moi, je vais jouer, je vais me rendre le plus loin que je peux me rendre, puis ça va être ça. Je vais avoir un beau parcours. Bleu 22, ready, set, hot! En fait, c'est qu'au Collège Charlemagne, la plupart des joueurs de football, là, je parle du secondaire 1, 2, 3, 4, 5, qui sont inscrits en concentration football, eux, je leur enseigne tout. Donc, ceux qui sont inscrits en concentration football à l'école, qui sont en secondaire 4 et 5, c'est aussi mes athlètes que je vais coacher le soir. Par contre, le 1, 2, 3, eux, c'est pas mes athlètes pour mon équipe de football, mais c'est mes élèves en éducation physique, concentration football. Le lien est très fort, le lien est très intéressant. Je peux aller les chercher à l'école avec le football. Il y en a pour qui ça va aider, il y en a pour qui ça ne fera pas de différence, mais si je suis capable de toucher quelques jeunes grâce à ça, mon mandat va être réussi. Scoop and score! Scoop and score! Let's go, defense! Come on! Goethe, le ballon est entre tes deux jambes. Scoop and score! OK, c'est des habitudes à prendre. Dans une game, quand ça va arriver pour vrai, tu vas scorer. All right? Il était pas là-bas, là. Hein? Il y en avait un dopé là-bas. OK. Ouais. Hey, defense! Oh, ben, s'il l'a pas attrapé. La règle, c'est dès que le ballon est par terre, scoop and score. Peu importe c'est quel moment, dès que le ballon est par terre, scoop and score.
Clément, Hugo! Pour être un bon joueur, ça prend de la discipline. C'est pas tout le monde qui serait capable de se lever puis pratiquer 3 jours semaine, les matchs les vendredis, c'est dur physiquement. Faut être en forme physique, faut être prêt mentalement, faut être sharp. C'est ça que j'ai à dire. Donc pour être un bon joueur de football, il faut comprendre son rôle dans l'équipe. Donc les entraîneurs sont là pour le jeune, mais les entraîneurs mettent beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup de préparation et généralement, c'est des gens qui ont joué de haut niveau pour qui le football, c'est une passion. Donc pour un joueur de football qui soit un bon apprenant, pour qu'il se développe, il faut qu'il écoute l'entraîneur, il faut qu'il écoute les gens qui sont déjà passés par là et qui ont eu du succès. Ceci étant dit, s'il écoute bien, il applique ce qui est demandé, puis il donne son maximum sur le terrain, normalement, il devrait être en mesure de bien réussir. C'est sûr qu'il y a des capacités athlétiques aussi, de la génétique qui rentre en compte pour être bon sur le terrain, mais il n'y a aucun joueur de football qui va percer s'il n'écoute pas ce que les entraîneurs demandent. Et les entraîneurs, eux, c'est une passion, ils font ça pour lui. Puis s'ils n'écoutent pas, les entraîneurs, ça ne leur tentera pas justement de le diriger et de lui donner des conseils. Hey! Chamberlain! La game est demain! Hey! La game est demain, OK? OK? Ouais. Merci. 2-10! Good job, de Lille, ça va? En fait, la saison de football, c'est très court à cause qu'on joue. On joue l'automne. Et puis, on ne peut pas jouer vraiment en novembre. C'est sûr que chez les pros, ça dure plus longtemps. Donc, aux États-Unis, ça dure plusieurs semaines parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement le contexte d'hiver comme au Canada. Puis, la Ligue canadienne de football, il commence mi-juillet. Donc, c'est sûr que nous, avec le football scolaire, on commence plus fin août, début septembre. Donc, on va avoir 8, 9 ou peut-être 10 semaines de saison régulière, plus 3 semaines de préparation, donc ça fait 13 semaines. Ensuite, on tombe en série, qui est un autre 3 semaines maximum. Donc, on parle de, grosso modo, tout est parti un maximum de 16 semaines. Ça peut jouer entre 11 et 16 semaines, dépendamment du nombre d'équipes qu'il y a dans la Ligue. Ça va donner le nombre de matchs qu'on va jouer, le nombre de semaines, plus les séries éliminatoires si on les fait, puis jusqu'à quand est-ce qu'on est capable de survivre. Ouais, ben cette année, là, je trouve vraiment qu'il y a une compétition vraiment avec les autres équipes puis entre nous autres. Les joueurs, ils travaillent fort parce qu'on veut notre place pour starter sur le terrain. On travaille, on se challenge entre nous autres. Puis c'est le même qu'on monte, je dirais, la tension. On devient plus proche en faisant ça. Puis c'est le même qu'on devient vraiment une équipe, une famille. Puis c'est le même qu'on va se rendre loin. Nous autres, ça va être une game, un match à la fois. On va penser à l'équipe. On les a pas vus jouer encore cette année. Mais on va être prêts. On va être prêts à les accueillir. En fait, secondaire 1, on va appeler ça de la tombe au civil, au scolaire, où est-ce que nous on joue, donc de la tombe. Secondaire 2, c'est du benjamin. Secondaire 3, c'est du cadet. Et secondaire 4-5, c'est du juvénile. Par contre, il y a des écoles qui n'ont pas d'aussi gros programme de football que nous, qu'eux vont avoir seulement que 3 équipes. Donc, ils vont avoir du benjamin, cadet, juvénile. Par contre, nous, on a la chance ici, puis on a le bassin pour faire 4 équipes, mais c'est pas toutes les écoles qui peuvent se le permettre. Donc, c'est rare qu'on voit de l'atome, donc du secondaire 1 seulement, c'est rare qu'on voit de l'atome dans les écoles secondaires. Moi, je dis que chaque joueur a un rêve, puis s'ils veulent l'accomplir, il faut travailler, il faut mettre les efforts pour. Oui, il y a des joueurs que je vois vraiment qui travaillent plus fort, puis qui se mettent déjà dans cette mentalité-là, qui veulent jouer dans la NFL, qui veulent se rendre loin, sont sharp, ils arrivent aux pratiques, ils sont vraiment intenses, sont tout seuls, genre ils vont pratiquer. Avant qu'on commence à pratiquer, ils vont arriver sur le terrain d'un d'avance, ils vont pratiquer leur jeu, ils vont pratiquer leur play, ils vont pratiquer leur step, là, quoi faire, ils vont réviser leur jeu. Là, c'est vraiment des choses remarquables qu'on peut voir sur certains joueurs de notre équipe. Il y a des joueurs qui font pas l'équipe. Pour avoir une équipe de football, ça prend entre 40 et 50 joueurs si on veut être capable de compétitionner. Donc, ça nous laisse la chance d'avoir beaucoup de joueurs. Par contre, au football, à cause de cette réalité-là, qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est rare que les gens ne feront pas l'équipe pour leur talent. Donc, la façon que ça fonctionne pour faire l'équipe, c'est travaille fort, viens aux pratiques et donne ton 100%. Si nous, ces valeurs-là sont pas. Si ces règles-là sont pas respectées, les joueurs ne pourront pas faire partie de l'équipe parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous, au niveau du personnel d'entraîneur.
Mais c'est vraiment, c'est très, 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 très rare qu'on va dire à quelqu'un qui ne fait pas l'équipe à cause du talent, parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de joueurs pour faire une équipe. Mon équipe représente une fierté. Nous autres, on représente le Collège Charlemagne. Il y a beaucoup de monde qui compte sur nous. On a une saison à gagner, on a beaucoup de pression. De vue de même, on a de la pression, puis ça nous donne une certaine importance, puis c'est ça qui va nous craquer à être meilleur à chaque fois, tout le temps apprendre des nouveaux jeux, puis être prêt à chaque game les vendredis. Donc moi, en ce moment, dans mon équipe, j'ai 47 joueurs, ce qui est un record depuis plusieurs années au niveau du juvénile, 47 joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes de l'année passée du cadet qui sont montés. Ça fait en sorte que l'équipe est très, très volumineuse. Et puis ça, c'est sans compter les joueurs que j'ai à l'école qui sont inscrits en concentration football, qui ne sont pas dans mon équipe, mais que je vais leur enseigner le football. Pour moi, le football, c'est le sport qui va me maintenir sur le droit chemin. Ça fait 10 ans que je joue au football, puis ça fait 10 ans que j'ai toujours du plaisir à pratiquer, j'ai toujours du plaisir à jouer. J'arrive aux pratiques, je suis content. J'arrive aux matchs, je suis content. Puis c'est ça qui... C'est rendu une chose qui fait partie de ma vie. J'aime vraiment ça. Ça, c'est important. Ouais. Corner out. Corner. Ouais, moi je me sens très à l'aise sur le terrain. C'est ma place. C'est là que je passe le plus fort de mon temps quand je joue au football. Puis c'est, j'adore ça. Je suis très à l'aise. Vince, tourne ta tête sur le flat, OK? Tu peux pas le vendre, sinon. Quand tu fais flat and up, tourne ta tête sur le flat, OK? Tu comprends à quoi ça sert? Ouais, j'ai vraiment hâte. Depuis janvier qu'on pratique, on a commencé à travailler fort dans les gymnases. On a fait de la muscu pendant l'off-season. On a embarqué sur le terrain au printemps. On a fait les pre-season. On était contents de ce qu'on a vu. Au mois de août, on a recommencé à pratiquer, puis on est prêt pour le match de demain. On est vraiment hâte.